La nouvelle est tombée ce matin. L'ancien président du Burkina Faso, le colonel César Bo, est mort. L'homme que pleurent l'armée et le peuple burkinabé est militaire de profession. Ancien enfant de troupe à Saint-Louis, au Sénégal, de 1948 à 1950, le jeune Pritane est engagé dans l'armée coloniale française en 1950. Soldat, il prendra part à la guerre d'Indochine. Au terme de la guerre et à la faveur de l'africanisation des cadres, César Bo intègre l'école de formation des officiers d'outre-mer. Il en ressortira avec le grade de sous-lieutenant. L'officier va ensuite gravir les échelons pour devenir lieutenant-colonel en 1970. De 1974 à 1982, César Bo quitte la caserne pour la politique. On le retrouve ministre des Affaires étrangères du général-président Sangoulé Lamizana. En 1976, le colonel César Bo regagne la caserne. Quatre ans plus tard, à la tête du comité militaire de redressement pour le progrès national, CMRPN, il renverse par coup d'État le général président. Chef d'État, le colonel César Bo, que certains appelaient aussi l'homme du 25 novembre, va effectuer en 1981 une vaste tournée nationale à la rencontre des Burkinabés de l'intérieur, s'arrêtant même dans les hameaux de culture les plus reculés et dans les plus petits villages du Burkina Faso pour échanger avec la masse paysanne. Le règne de César Bo sera aussi marqué par des mesures aussi impopulaires les unes que les autres, comme la fermeture des débits de boissons et les bistrots aux heures ouvrables, mais aussi par l'interdiction des Burkinabés d'émigrer sans autorisation. César Bo et le comité militaire de redressement pour le progrès national se sont aussi attaqués à l'absentéisme dans la fonction publique. Toutes ces mesures ont précipité la chute du colonel. Renversé le 7 novembre 1982 par un coup d'État perpétré par le Conseil du salut du peuple du commandant Jean-Baptiste Ouédraogo. Arrêté puis jugé par les TPR, les tribunaux populaires de la Révolution, le colonel César Bo connaîtra la prison et la résidence surveillée. Réhabilité, le colonel César Bo deviendra protestant et même pasteur.